Bonjour les turfistes, ici nous allons revoir le prix de Bouville qui s'est couru le 25 novembre à Vincennes. C'était un parcours de vitesse, 2175 mètres à parcourir. Et c'est Henri de Leclerc qui avait gagné ce jour-là avec une belle marge en tout cas. Moi je voulais revenir sur la prestation d'un gros outsider, c'était Azarodeva, le numéro 11, qui était une cote astronomique à plus de, je vérifie, mais il était à près de 100 contre 1. Et donc c'est la Kazakh Pelro qui est à l'arrière. Et vous allez voir qu'il a fait une très belle course. Voilà. Là, je vous ai pointé astuce Apollon de Cassis, pardon, drivé par Franck Nivard, qu'il faudra certainement suivre. Mais quand il sera déféré des 4. Voilà, tout à l'arrière-garde, le fameux Azarodeva. Et vous allez voir qu'il court très bien dans cette catégorie et qu'il pourrait faire afficher une belle cote prochainement. Voilà, en tête, Henri de Leclerc va faire du rythme. Là-bas, en cinquième ligne, c'était Apollon de Cassis. En troisième ligne, Auch, un bon bijon qui a son aise sur ses parcours de vitesse. Et là-bas, le long de la corde, il ne bouge pas. C'est Azarodeva qui était déféré des postérieurs à l'occasion de cette course. Voilà, on voit qu'il est bloqué à la corde. Hein, il est dans les derniers. Ça n'avance pas beaucoup, mais il a des ressources. Là, il sait se décaler un petit peu. Il va être derrière Apollon de Cassis. Là, il est un petit peu gêné, là. Pas trop le passage. Oh, je vais faire une belle fin de course, comme d'habitude. Voilà, là, il est toujours un peu bloqué. Et ça y est, il va pouvoir passer bientôt. Le voilà. Je vous le pointe, là. Quand il va avoir l'ouverture, regardez, c'est vraiment pas mal du tout. Une bonne fin de course aussi à signaler, c'était le Vazir Arpège de Camaran, Baudouin Vazir. Voilà, les amis, à suivre et à noter sur vos tablettes. À bientôt, merci.